Salut, aujourd'hui on parle de sélection naturelle. Alors que tu sois ici parce que t'aimes bien la science ou juste parce que tu veux réviser ta prochaine éval d'SVT, t'es au bon endroit car je vais t'expliquer simplement et en moins de 2 minutes ce qu'est la sélection naturelle. C'est un procédé découvert par Charles Darwin durant ses voyages autour du monde entre 1931 et 1936 qui explique comment un animal ou un végétal a fait pour évoluer jusqu'à son état actuel. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Pour comprendre la sélection naturelle, imagine deux chiens dans la nature et à cause d'une mutation génétique quelconque, un des deux n'a que deux jambes. Et donc logiquement il sera moins capable de se déplacer et donc aura plus de chances que l'autre de se faire tuer avant d'avoir des enfants. Donc, comme l'autre est plus apte à survivre, il va rester en vie et avoir des enfants, à qui il va transmettre ses caractéristiques aptes à la survie, etc., etc., sur des millions d'années. Et c'est la même chose pour la forme du bec ou des ailes pour les oiseaux, la taille des chiens, etc. En fait, c'est valable pour absolument tout. Et c'est comme ça que l'humain a évolué pour être ce qu'il est aujourd'hui. Au fur et à mesure des générations, de nouvelles caractéristiques vont apparaître. Si elles sont bénéfiques pour l'humain, elles vont rester. Sinon, le porteur de la caractéristique va mourir, il n'aura donc pas de descendance avec cette mauvaise caractéristique. Et là, certaines personnes vont me demander si les descendants n'ont pas la mauvaise caractéristique et qu'on descend du singe, pourquoi les singes n'ont pas disparu? Eh bien, la réponse est simple. Basique. En effet, on ne descend pas du singe. C'est en fait un de nos cousins éloignés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, deux membres de la même espèce ont eu des caractéristiques différentes, mais les deux étaient bénéfiques. Donc, les deux ont survécu et ont continué à évoluer de leur côté. Donc, en réalité, on ne descend pas du singe, mais on partage un ancêtre commun avec lui. Darwin a découvert la sélection naturelle lors de ses voyages. Et grâce aux observations qu'il a fait pendant ces derniers, il s'est mis à proposer à la communauté scientifique que les animaux adoptent certaines caractéristiques en fonction des contraintes de leur environnement. Malheureusement, cette théorie a été très mal reçue puisque à l'époque elle remettait en doute les croyances scientifiques et religieuses. Et à cause de ça, Darwin a été victime d'énormément de moqueries visant à décrédibiliser ses recherches. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude, mais j'avais pas trop le temps cette semaine. Je reviens la semaine prochaine avec une vraie vidéo. Salut!